Depuis plusieurs années, les régions d'Oromia et de Somalie éthiopienne ont été entraînées dans des affrontements frontaliers issus des disputes portant sur les terres de pâturage et sur l'eau, des conflits qui se sont aggravés au cours des 2 dernières semaines. Toutefois, le gouvernement fédéral a affirmé qu'il prenait des mesures nécessaires pour restaurer la paix. Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 25 septembre, le ministre éthiopien de la Communication, Negere Lencho, a déclaré aux journalistes que les tensions récentes avaient abouti au déplacement des dizaines de milliers de civils. Nous avons reçu une information selon laquelle les Oromos ont été ciblés. Il y a plus de 3000 Oromos déplacés de la région de Somalie. Et actuellement, quelques-uns se sont réfugiés dans la région de Somalie, alors que d'autres se sont rendus dans la partie est de la région d'Oromia. Des dizaines de milliers de nos citoyens ont été déplacés. Dépit du fait que des critiques condamnent le système fédéral du gouvernement éthiopien ethno-linguistique en tant que cause à l'origine des tensions récentes, le ministre Negere Lencho a réfuté ces affirmations. Bien que quelques sources indiquent que le système fédéral ait causé ce problème, nous pouvons démontrer que ceci n'est pas la raison de ces conflits. Même si le gouvernement fédéral n'a pas confirmé le nombre exact de morts, le gouvernement régional d'Oromia a déclaré que le bilan était de 18 morts, tandis que le gouvernement régional de la Somalie en a déclaré 50. Il convient de rappeler que le gouvernement fédéral a récemment annoncé que la police fédérale protégerait les autoroutes principales et arrêterait les forces policières de deux régions des zones de conflit afin de réduire des tensions. Zinabou Halafom, Addis Abeba, Éthiopie, CGTN.